attention. Le jury sera coiffé de toques blanches. Ces 25 élèves du collège Jules Ferry de Gémoza comptent un drôle de défi à réaliser. Cuisiner des plats comme s'ils faisaient partie d'une véritable brigade. Alors, comme les grands, on se lave bien les mains, on met un tablier, on se coiffe d'une toque et on découvre la recette à réaliser. Pour l'équipe des toques vertes, Lucie, Océane, Antoine et Cédric, il va quand même falloir faire des crépinettes. Spécialité, on ne peut plus saintongeaise. Est-ce que vous savez ce que c'est que la crépine? C'est le péritoine chez nous. Ça enveloppe tous les intestins, d'accord? Les enfants se prennent tout de suite au jeu, un jeu dont le but est de les sensibiliser aux différents aliments qu'ils mangent quotidiennement. Capo Picchu, inlassable défenseur du terroir saintongeais, savoir ce qu'on a vraiment dans l'assiette, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, il faut prendre en main sa nourriture. Essayer soi-même de faire sa nourriture, parce qu'au moins, il y a un avantage. Je ne veux pas avoir la prétention de dire « c'est mieux, c'est meilleur pour la santé » ou autre. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on sait ce que l'on a mis dedans. Quand vous faites vos bocaux vous-même, quand vous faites vos crépinettes avec la chair à saucisse et tout, même si vous allez acheter de la chair à saucisse toute faite, après vous savez ce que vous avez mis dedans comme produit. C'est ça que j'ai envie de leur faire passer. Une idée qui fait son chemin et qui trouve ses adeptes. C'est le cas de Lucie, élève de 3e dans l'équipe des toques vertes. Appliquée, très concentrée, on a l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie. Tu vas couper un morceau de fromage, tu vas la poser dedans, le morceau de fromage, et après tu vas remettre une partie et tu vas le rouler dedans. Oui, je cuisine pour ma sœur souvent le midi. Quand j'ai pas le temps, je fais des petits plats que je sais faire vraiment. Après, sinon, oui, je... Par exemple ? La crépinette, j'en ai fait une fois. Après, j'ai plus fait des plats avec ma mère souvent. La recette me vient vaguement. Il est temps de déguster les délicieuses crépinettes. L'expérience est une réussite totale, mais il faut déjà songer à reprendre les cours plus classiques avec le même appétit d'apprendre, ou pas. Est-ce qu'on s'en va en cours de maths? Non!